Salut à tous et demain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Z Kakarot. On continue notre aventure. La dernière fois, on a rencontré les ennemis, pardon, malfaisants, et on nous explique que maintenant on en a sur la carte et que plus on en bat et plus ils deviennent puissants, et plus ils deviennent puissants, et meilleures sont les récompenses. Ok, bon, alors déjà premièrement, communauté, tableau de communauté, et on va rajouter à la cousine, j'ai dit cousine. Ok. Est-ce qu'on colle? Ouais. On a tout mis de toute façon. Oui. Voilà, plume, c'est parfait. Il n'y avait pas une histoire. Voir les bonus. Voilà. Donc si on met Sangohan et je sais pas qui, bah Sangoten sûrement. Ça, là, il y aura sûrement Bulma. Du souci à propos de Sangohan. Sangoku et Shishi? Non, 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 c'est un personnage qu'on n'a pas. C'est peut-être le père de Bulma. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non? Ah oui, merde. C'est vrai qu'il faut le placer. Hein. Voilà. Parfait. Ok. C'est mieux que rien. Alors attendez. Je sais plus comment on fait. Alors, arbre des compétences et des attaques spéciales. Je crois qu'on a eu des trucs. Masenko, niveau 2, est-ce que je peux? Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi? Ah, du coup, je peux plus. Dommage, pas grave. Ça a étourdi. On va prendre. Je pense que de toute façon, il faut essayer de. Oh putain, qu'est-ce qu'il a? Il est un peu grand son arbre. Hein. Vache. Il aurait des bleus. Ok. Quelle attaque spéciale. De toute façon, j'en ai pas d'autres comme ça. C'est pas compliqué. Il n'y avait pas une histoire de récompense, je sais pas quoi. Non. C'est quoi? C'est du vert, ah, du bleu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de. On trouve le vert, le bleu au niveau de l'eau, le vert au niveau des mondes des. Je sais plus comment on fait les. Comment on fait les pirouettes? Non, c'est pas grave. On va prendre ça. Je crois qu'en plus, précédent épisode, je vous ai dit. On va faire des tonneaux. Du mal à me diriger avec les
Non, 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 non. Non. Arrêtez de m'attaquer comme ça, vous n'avez rien demandé, moi. Oh, tu le prends ou tu fais quoi? Non. Oui. Carte du monde, voilà. J'allais là. Mais pourquoi ils veulent que j'aille là? C'est pas là où je veux aller. Ils veulent me forcer à combattre les ennemis puissants, c'est bête quoi. Bon, il sert un petit peu, mais pas à grand chose quand même, Sangon, avec contre les Saiyans. On n'est pas à l'époque de Cell. Mais tu ruban rouge. Je pense que c'est ça qu'il faut. Les bases apparaîtront désormais sur le terrain. Les bases peuvent être détruites avec des kikas pour obtenir des objets. Et évidemment, les bases sont gardées par des ennemis, alors fais attention aux moments de les dévaster. On s'en fout. Bon allez, on va le faire. On va peut-être se faire défoncer. Hein. Ah, il y en a trois. J'ai pas trop le choix. Hein. Oh merde. Oh putain, c'était quoi que ça sauvegardait?
Bon, bah, je vais pas attaquer les ennemis en rouge tout de suite. Bien, c'est que j'ai dit, on va peut-être te faire défoncer. Ben non, on s'est fait défoncer. J'ai été imprudent dans l'histoire. Ouais, j'aurais pas dû rester collé. C'est un petit peu mon côté bourrin. Rentre dedans, t'inquiète. すごいでしょ。Bon, faut qu'on aille. Allez, Piccolo. Ah non, c'est pas vrai, vous me voyez pas. Non, non, vous me voyez pas. この俺を倒すつもりでな。どうした？俺は孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか？ピコってないかな？Là-bas, c'était galère là. Hein. Est-ce quand même alors que j'en ai chié quand même. Ok. Bon. ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい、時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、この道着って。何か文句でもあるのか？うん、ありがとうピッコロさん。セキュリティ。Ah, ça va. Piercing sophistiqué. Ouh. C'est pour qui ça? Piercing sophistiqué. Oh pitié, me mets pas de droit d'auteur. Ça, t'es yo-yo, qu'est-ce que c'est que t'as dit? Saiyajin tachi wa ashita chikyu ni oritatsu. Bon bah si vous avez une autre musique, vous savez pourquoi. Shimatta! Nani? Dou shita da? Omae ga hebi no michi o toutte kaeru jikan o keisan ni irete inakatta.
わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イディオ、シェンロン。シェンロン。ピラピラランパン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。Ah ouais, il a pris un petit peu d'expérience quand même. Bon, vous vous rendez compte que si vous entendez une autre musique, c'est qu'il y a un droit d'auteur. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Hein.激しき死闘、絶望を呼ぶ2人のサイヤ人。Alors, c'est pas vrai, parce qu'on va voir les 地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。Ok, bon. Est-ce que j'ai suffisamment d'orbes pour augmenter un petit peu les bordels? Comment je fais? Désolé. Non, à part ça, j'ai rien appris. Ah, c'est bon, je peux apprendre. Ouais. Ça, c'est 400 millions. On envoie les ennemis, c'est grâce au sol pour dégâts de briscarde. Ok. Ok. Ah, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des trucs que j'ai dit. Saiyajin, Kito. ピッコロさんも気づいてると思うけど。やばい、イザイーだ。ピッコロさん。あっしん。来る。奴らはここに来るつもりだ。十分し。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。わしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。
そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだな、ベジータも。グラグラグラー、 こいつら結構できそうだぜ。天津飯、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん、ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。まあ、arrêtez, il a plus sa coupe à Yamcha que son Goku. あの、僕ソンゴハンです。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。一気に型をつけてやる。ごはん、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。もしあべきら。ごはん、俺に任せろ。Mais dégage! Putain, j'en ai chié ça, mec. Voilà!
Wow. J'aime pas en multi comme ça. Enfin, multi. Enfin, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est chiant là. Ça t'attaque de partout. C'est pas qui a visé. C'est un peu compliqué. どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。げえ。お前たちが思っているほど、この化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。ヤムチャさん！なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから片付けてやるかな。Comment t'esquives ça? Alors, j'ai pas compris, j'ai pas suivi. J'étais en train de me décroter l'œil. Sate, koko kara ga honban da. Isshun de katazukete yaru ze. をする気だ。ザオス。さよなら、ペンさん。どうか死ねないで。やめろ、ザオス。ザオス。くだらねえことしやがって。ジャオス、
仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひで悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで、何の役に立つというのだ？この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっと、ずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空を舐めるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。Voilà, toujours à se reposer sur Goku. Autant ça. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé. J'ai serré les fesses, j'avoue. J'avoue avoir un petit peu serré les fesses. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de nouveau dans notre arbre? Alors, dézoomer. Est-ce qu'il y a un nouveau truc? Ah oui, non. Non, il n'y a rien de nouveau. Pourquoi ils me disent qu'il y a un truc de nouveau alors qu'il n'y a rien? Envoie les ennemis et s'écrase au sol. Gros dégâts de brise-garde. Ah non, peut-être que je peux apprendre un nouveau truc. Atteindre le niveau 10. Atteindre le niveau 10. Protéger la terre des Saiyans. Ok. Protéger la terre des Saiyans. Le super Saiyan légendaire qu'on peut dire. Oh, ça va être bon ça. Protéger la terre des Saiyans. Ok, d'accord. Super récupération. Ah! Protéger l'avenir contre les terrifiants cyborg. Bref, on va s'arrêter là. C'est vrai que j'ai tendance à m'arrêter et puis à regarder tout, machin et compagnie. Je vous avoue que je suis bien content en fait d'avoir le PlayStation Plus Extra. Alors putain, honnêtement, j'y ai aucun avantage de vous faire la pub pour les machins. Vous faites ce que vous voulez. Bref, si vous n'avez pas le Xbox Game Pass, parce que c'est à peu près la même merde, hein, soyons honnêtes,
Par contre, ouais, tu vois, j'aimerais bien qu'il soit offert sur l'Epic Game Store ou sur Steam, tu vois, histoire, et puis que je puisse que ce soit compatible manette. Parce que là, effectivement, je l'aurais entièrement, et là, peut-être que je serais, comment dire, comment on dit déjà? Apte, non pas apte. Mais j'aurais peut-être tendance à dire, ouais, allez, vas-y, je vais acheter les extensions. Là, j'ai pas acheté les extensions sur un jeu que je n'ai pas, qui m'est, on va dire, prêté, hein, puisque, bien sûr, dès qu'il va être sorti du catalogue du PS Plus, enfin, du PlayStation Extra, certes, j'aurais peut-être une réduction pour l'acheter, mais ça n'en reste pas moins qu'il faudra que je l'achète. Et que, c'est un petit peu le deal avec Miss, et c'est un petit peu le plus important, j'ai envie de dire. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre, parce que c'est une somme hein, quand même, 100 balles par année. C'est que il y a beaucoup de jeux à l'époque que j'achète et que je joue pendant un certain temps. Et après, soit j'ai terminé le jeu et je n'y joue plus, soit bah, au bout d'un moment ça me gonfle et que j'y joue plus tout court. Sans compter les jeux comme les FIFA, les FIFA PES, les comment ça s'appelle? Les Call of et tout ça, très sincèrement, c'est très très rare quand je remettais les anciens Call of. Encore plus quand je devais les désinstaller, parce que bah, vous savez que les Call of, ça prend plus de 100, de 100 gigas sur un truc. Alors même avec un disque dur de d'un téra derrière au cul, en plus du téra que j'ai sur la console. Voilà, sur 2 Tera, quand tu prends des jeux et que maintenant plus ça va, plus les jeux ils sont gourmands en espace, notamment avec les mises à jour qui te rajoutent encore et encore et encore, ça devient du n'importe quoi. Donc malgré ça, t'es toujours constamment t'es emmerdé. Bref, on va pas aller plus loin. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications. N'oubliez pas que ces actions aident énormément la chaîne. Partagez, parlez-en autour de vous. Si vous kiffez, ben, c'est une façon de me remercier quelque part. Je vous rappelle que dans la description, vous avez un lien pour Instant Gaming qui est un site qui vous permet d'acheter des jeux, des cartes prépayées. Moins cher avec une réduction, donc n'hésitez pas à passer par passant par mon lien. Je récupère tout simplement. Vous n'avez pas plus de réduction, vous ne payez pas plus cher. Par contre, moi je récupère une petite somme d'argent dès que vous achetez un jeu dessus. Donc je vous remercie pour ceux qui feront ça. Ça me permet d'acheter des jeux PC ou des cartes ou peu importe avec ce petit budget et ça me permet comme ça de vous présenter d'autres choses sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!